Bienvenue à toi si tu nous rejoins sur ce petit replay de mon live. N'hésite pas à soutenir la chaîne, parle-en à tes amis, abonne-toi un peu partout et puis surtout viens dire un petit coucou aux copains en live sur Twitch le mardi soir. Alors, on va se faire un texte d'actu qui parle de Fukushima parce qu'il n'y a pas que le Covid comme catastrophe dans la vie, il y avait aussi Fukushima et du retour de certaines personnes. Dans la région Ikimashou. Donc, Fukushima-ken Okuma-machi, sundeita hito ga machi no ichibu ni modoru koto ga dekiru. Fukushima-ken, donc la préfecture de Fukushima, l'arrondissement de Fukushima, Okuma-machi, la ville de Okuma. Sundeita hito, hito. Donc les personnes qui y habitaient, sundeita, c'est au passé. Sundeiru, habiter, sundeita, c'est conjugué au passé. Sundeita hito ga, marque du sujet. Donc les personnes qui y habitaient, machi no ichibu ni, ichibu, c'est une partie. Donc dans une partie de la ville, modoru koto ga dekiru. Modoru, revenir. Puis l'expression koto ga dekiru qui indique que quelque chose est possible. Ce qui nous donne des personnes qui habitaient dans une certaine partie de la ville peuvent maintenant y revenir. On a une petite carte et vidéo. Et puis on va lire. Fukushima-ken Okuma-machi ni wa Fukushima Daiichi. J'ai toujours du mal à prononcer ce mot. C'est pas grave, on va y aller. Donc, Fukushima Daiichi Genshiryoku Hatsudensho ga arimasu. Genshiryoku Hatsudensho, cet énorme composé-là. Hein? Je vais zoomer encore un petit peu, que ce soit encore un petit peu plus grand pour vous. Ça veut dire la centrale nucléaire. C'est littéralement l'endroit où on produit de l'électricité à partir de l'atome, de l'énergie atomique. Donc Fukushima Daiichi Genshiryoku Hatsudensho ga arimasu. Donc dans la ville de Okuma, il y a la fameuse centrale Fukushima Daiichi. Donc celle qui nous a posé tant de problèmes. 2011年に原発で事故があった後、住んでいた人たちは避難しなければならなくなりました。2011年に、en 2011、原発で事故があった後、原発、c'est une abréviation de ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire 原子力発電所。Donc, Genpatsu, ça veut également dire centrale nucléaire. Jiko ga atta node, donc dans la centrale nucléaire, le dé qui indique le lieu de l'action, jiko ga atta, il y a eu un accident. Jiko. Atta ato. Donc, après l'accident qu'il y a eu en 2011 dans la centrale nucléaire. Sundeita hito tachi wa, les personnes qui y habitaient, hinan shinakereba nakunarimashita. Hinan suru, le verbe qui veut dire fuir, se réfugier. Donc, hinan, abenai me ni awanai yo ni nigeru koto. Donc, fuir pour ne pas se trouver en danger, dans une situation dangereuse. Hinan shinakereba naranakunarimashita. Donc il a fallu, hein, nakereba narimasen, l'expression très longue qui veut dire il faut faire quelque chose, et là ils sont, c'est au passé, shinakereba naranaku narimashita. Donc il a fallu qu'ils évacuent les lieux, il a fallu qu'ils s'enfuient, qu'ils se réfugient ailleurs. Ima mo machi no yaku 60% wa sundeita hitotsu tachi mo hairu koto ga dekinai kikan konnan kuiki ni natte imasu. Oula, il nous épargne pas sur les combinaisons de kanji, c'est très très bien. Donc, ima mo, même maintenant,
Ima, maintenant, ima mo, même maintenant, machi no yaku 60% wa, environ yaku 60% de la ville, sunde ita hito, hito mo, hairu koto ga dekinai. Donc, même les personnes qui y habitaient, hairu koto ga dekinai, ne pas pouvoir entrer, et tout ça, hein, vous voyez, ça précède ce nom, ce joli ensemble de kanji. Donc ça veut dire que tout ça, ça qualifie. Et ça qualifie Kikan Konnan Kuiki. Est-ce qu'il y a une entrée dans le dictionnaire? Non. Kikan Konnan Kuiki. Donc Kuiki, c'est une zone délimitée. Une zone délimitée administrativement. Kikan Konnan. Kikan, c'est le retour. Revenir quelque part. Konnan, c'est les difficultés, les difficultés. Kuiki ni natte imasu. Donc ce sont des zones dans lesquelles le retour est difficile. Et donc ces zones-là sont des zones dans lesquelles même les personnes qui habitaient avant ne peuvent pas aller. Ni natte imasu, ni naru, hein, devenir, là, ce ni natte imasu, c'est juste descriptif, ça nous indique que c'est comme ça. Seifu wa, kono basho de hōshasen o dasu bushitsu o katazukete imasu. Seifu wa, le gouvernement, kono basho de, dans cet endroit, basho, l'endroit, kono basho de, avec le lieu de l'action, Hōshasen o dasu bushitsu o katazukete imasu. Ok, bah d'abord regardez le verbe. Katazukete imasu. Katazukeru. Merci pour les verres d'eau, les amis, dans le chat. Katazukeru, ça veut dire ranger, nettoyer. Donc là, ils sont encore en train de mettre de l'ordre, le gouvernement. Parmi quoi ? Donc, bushitsu o katazukete imasu. Donc ils sont encore en train de se débarrasser. Hein. Katazukeru, c'est tu nettoies les choses qui ne sont pas à leur place, tu les remets là où elles doivent être. Donc bushitsu, c'est de la matière, des substances. Donc des substances qui font quoi? Hōshasen o dasu. Dasu, ça veut dire émettre, sortir, produire quelque chose. Et le mot qui vient là, c'est hōshasen. Oui, Hōsha, c'est tout ce qui évoque la radiation. Hōshasen, c'est... je sais pas pourquoi ce sen. Spontanément, j'aurais juste mis Hōsha tout court, mais non, visiblement... je suis pas sûr de la nuance que met Hōshasen. Parce que sen, c'est la ligne, hein, comme dans Shinkansen. Bref, bon. Visiblement, Hōshasen et Hōsha, c'est à peu près la même chose. Donc, ah, c'est les rayons, pardon, je suis bête. Bien sûr, c'est les rayons. Ok. Donc, c'est des rayons radioactifs. Enfin, c'est vraiment les ondes, quoi. Hein. Donc, mais vous pouvez juste vous dire que c'est la radioactivité. Hōshasen o dasu bushitsu o katazukete imasu. Oui, les rayons gamma, tout ça. Merci, Itokatsu. Effectivement, quand j'ai vu les exemples dans le... C'est l'intérêt d'avoir un dictionnaire japonais, c'est que du coup, j'ai des définitions. Donc forcément, quand je vois les trucs là, les bêtas, tout ça, ok. Bref, les rayons. Bon, en gros, c'est la radioactivité, vous avez capté, c'est pas bien grave. Donc, kono basho de hōshasen o dasu bushitsu o katazukete imasu. Donc, ils sont encore en train de se débarrasser des substances radioactives. Des substances qui émettent des rayons gamma, bêta, tout ce qu'il faut pas et qui fait pas du bien. Soshite, et puis, kaigi no kekka, kikan konnan kuiki no yaku 20% wa seikatsu dekiru you ni natta to itte, 6 月 30日 kara sunde ita hito ga modoru koto ga dekiru to kimemashita. Voilà. Donc, et puis, kaigi no kekka. Kaigi no kekka. Kekka, c'est le résultat. Donc, suite à cette réunion, kaigi, donc le résultat de cette réunion, de ce moment de discussion,
帰還困難区域の約 20%、 donc environ 20% des zones interdites au retour, hein, on va les appeler comme ça, des zones interdites au retour, は, donc 20% de ces zones, 生活できるようになったと言って、donc ce toitte, ça montre qu'on est dans la citation. Il a été dit dans cette réunion que, qu'est-ce qui a été dit ? 生活できるようになった. Ni naru, ça montre un changement d'état. Ni natta au passé. Donc il y a eu un changement d'état dans ces 20% de zones, c'est qu'elles sont devenues yoni, de sorte que. Donc de sorte que, dekiru, on peut, seikatsu, l'activité, la vie. Donc, ils ont dit que, enfin, on a dit dans cette réunion, que à peu près 20% de ces zones étaient maintenant adaptées, on va dire, adaptées à ce qu'on puisse y vivre. Voilà, tout simplement. 6月 30日 から, à partir du 30 juin, 住んでいた人が, donc les gens qui y habitaient, 戻ることができると決めました. Donc 戻ることができる, ils peuvent y revenir. Et ce qu'on a après, c'est と決めました. Donc on voit と決めました. 決める, c'est décider. Donc ils ont décidé que. Parce que là, on a un taux de citation. 近くにある桂尾村でも今月12日帰還困難区域の一部で戻ることができるようになりました. Tai Li Wen Study, je te dirai après pour les kanji dès que j'ai fini ces deux phrases là. Donc 近くにある桂尾村, donc 近くにある, qui était proche de là. Katsura Omura Demo. Donc Katsurao, c'est le nom de ce. C'est très mignon. Katsurao, la queue du Katsura. Bref, Mura, hein, c'est un petit village. Donc dans le village de Katsurao, qui se trouve pas loin de là, également des mots, hein, ce mot qui veut dire aussi. Kongetsu Juninichi, à partir du 12 de ce mois. 帰還困難区域の一部 des, donc dans une partie des zones qui étaient interdites au retour, 戻ることができるようになりました. Donc là encore ce ようになる, hein, qui montre que quelque chose qui n'était pas possible est devenu possible. ように, vraiment dans ma tête, quand c'est pas noように pour la comparaison, mais que c'est vraiment le ように qui montre de sorte que, moi j'ai toujours cette expression de sorte que, qui montre une finalité. Hein. Quelque chose qui n'était pas possible, qui est devenu possible. Donc il est maintenant possible de rentrer à Katsurao, dans le village de Katsurao. Katsurao, pardon. Faudrait que je... Ou le kudzu. Bon, c'est une plante, hein, donc vaut mieux faire des recherches images pour savoir à quoi ça correspond. Toutes les plantes japonaises qu'on n'a pas par ici, bref. Donc aussi dans ce village, à partir du 12, on peut y revenir. Okumamachi wa futatsume no basho desu. Et donc Okumamachi, c'est le deuxième endroit. Futatsume, mais c'est les ordinaux, hein, ça quand on dit le premier, le deuxième, on met ça après les compteurs. Futatsu, deux. Donc le deuxième. Futatsume no basho. Donc c'est le deuxième endroit dans ce cas. Eh bien écoutez, j'espère que personne ne prend de risques et j'espère surtout que les gens retrouveront leur chez eux dans un état correct.